Qui dit nouvelle semaine, dit nouvelle révélation sur l'affaire Christian Quesada. Condamné à 3 ans de prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques en 2020. L'ancien champion des 12 coups de midi avait finalement été libéré en 2021, avant de passer une nouvelle fois, par la case prison, le 26 septembre dernier à Perpignan. Mardi 27 septembre. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Guillaume Janton a fait des révélations exclusives sur l'échange qu'il a pu avoir avec le père de famille. Le détenu a notamment confié au chroniqueur qu'il souhaitait, par-dessus tout, en finir avec ses addictions. Il a également dévoilé la lettre qu'il a écrite à celle qui partage sa vie hors les murs. « Tu es même la seule qui m'ait apporté du mieux-être et je serai toujours très reconnaissant pour cela. » a-t-il écrit à une certaine Sabrina, son exemple l'ancien joueur de TF1 s'en était aussi pris à Jean-Luc Reichmann. En décrétant que l'homme de télévision était bien loin de ce qu'il pensait. Ce vendredi 7 octobre, Dataline People égale à 28 982 F64 3e 9e 4 AE 4 A 9 DF 4 A 9392 AEP 120 FC Guillaume Janton fait de nouvelles révélations au sujet de Christian Quesada. Actuellement incarcéré à la prison de Perpignan, celui que l'on surnommait le professeur continue de défrayer la chronique. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, le journaliste radio a fait des révélations étonnantes sur l'une des anciennes professions exercées par le champion des 12 coups de midi. On a appris que Christian Quesada, il y a quelques années, était babysitter. A dévoilé le chroniqueur sur ses 8 pieds a ajouté que le père de famille a exercé cette activité pour des raisons financières. Selon lui, il n'y a jamais eu d'incident avec des enfants, a avancé Guillaume Janton. Avant de nuancer ses propos, on a retrouvé dans le dossier le témoignage d'une jeune adolescente de 13 ans qui habite en région parisienne et qui dit « Une fois que Christian Quesada s'était assis en mettant ses jambes autour de moi, j'étais gênée, je l'ai repoussé. Une information compromettante sur le passé du gagnant de jeux télévisés qui pourrait, une fois de plus, le desservir ».